Bonsoir à tous les invités du Club de l'Écho. Un petit mot pour m'excuser de ne pas être présent avec vous ce soir. J'ai quelques obligations de compétition jusqu'à dimanche à l'étranger. Mais je vous souhaite une bonne soirée. La base avant tout, c'est d'être performant sur l'eau et de gagner des courses. Donc il faut se faire connaître à travers ce biais-là. Et puis le bouche à l'oreille, c'est quelque chose qui marche énormément. Et puis je pense qu'il faut commencer humblement. D'ailleurs, c'est un métier qu'il faut faire humblement. Mais surtout quand on débute, il faut y aller petit à petit et faire avec ce qu'on vous offre au début. Okay. Ça va faire plus de 6 ans que j'ai le privilège de travailler avec la Banque Populaire. Et puis je pense qu'on est très content, hein, ça se passe très très bien. On a été vraiment que crescendo dans le management de nos projets bateaux et toujours de manière plus ambitieuse avec des résultats. Quand on est équipier, même si on est navigateur, même si on a énormément de responsabilités sur l'eau, quand on est un petit peu entre guillemets à la tête d'un projet, on a beaucoup plus de responsabilités. C'est certain que ça enlève un petit peu plus de piment. On se fait beaucoup plus de soucis au quotidien, le jour, la nuit, le samedi, le lundi, le dimanche. Et en plus j'ai toujours eu la prétention de faire mon métier de manière le plus responsable. Et voilà, donc plus ça va et plus c'est cet aspect des choses un peu plus délicat. En France, ce qui plaît dans la voile, c'est l'aventure. Des courses comme la solitaire de Figaro, bien sûr, des courses comme le Vendée Globe, on a bien vu ces dernières éditions. Des courses et des records comme le trophée Jules Verne, une petite connotation aventure avec un aspect humain mis en avant, c'est ça qui fait l'esprit français, quoi. C'est pas du yachting, c'est de l'aventure. Donc en France, il n'y a pas de milliardaires qui se paient le luxe de faire des beaux engins de vitesse comme ça. Donc il faut vraiment que ça soit des plans de communication montés de A à Z et qui aient un sens à tous les niveaux, sportifs, économiques et médiatiques. Aujourd'hui, on a la chance de naviguer sur le plus grand multicoque du monde et pour faire un des projets les plus ambitieux, qui est de faire le tour de la planète le plus rapidement. Alors après, il faut avoir des idées encore plus hautes et il faut pouvoir les réaliser. Et ça n'a de sens que s'il y a un équilibre à tous les niveaux, quoi. Donc après, il faut être constructif et de façon à ce que les rêves deviennent réalité.